Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule « Jouer en accord avec des accords de passage ». Dans cette vidéo, on va voir comment rajouter des accords de passage lorsqu'on accompagne ou lorsqu'on fait un solo en accord dans un style jazz. Et on va faire ça sur les quatre cordes aiguës de la guitare. On n'a qu'à prendre le contexte harmonique Do majeur, donc un accompagnement qui fait entendre Do majeur 7. Voilà. Nous, on peut faire entendre Do majeur en jouant une position d'accord pour chaque note de la gamme de Do majeur, en partant de Sol. Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc, par exemple... Le Fa, on l'oublie, et on va sur le Sol. Voilà, donc on revient sur la même position qu'ici. Toutes les positions que je joue dans la vidéo sont repiquées, hein, elles sont disponibles dans un fichier là, dans la description de la vidéo. Donc ça, tout ça, ça fait entendre Do majeur. Do majeur, Do majeur, donc ça fait pas beaucoup de mouvements, enfin ça fait un mouvement mélodique, mais ça amène pas beaucoup de tension. Et ça peut être intéressant d'amener d'autres accords, de faire Do majeur, un autre accord, Do majeur, un autre accord, notamment le degré 5 de Do majeur, donc le Sol 7, qu'on va pouvoir enrichir avec un peu ce qu'on veut. Mais ce qu'on va utiliser pas mal, c'est le mode altéré, donc Sol altéré. Donc on va faire Do majeur, et puis par exemple, une position de Sol altéré avec un La bémol dans les aigus. Vous voyez celle-là qui est pas mal. Hein. Ça sonne pas mal, Do majeur, ça nous fait dans les aigus. Donc c'est assez pratique. Et bien on a quand même trouvé une avec un Si bémol. Celle-là, elle est pas mal. Alors il y en a d'autres. Hein. Il y a ça, il y a ça. Bon, moi je vous en propose quelques-unes. Passez du temps à les analyser, à comprendre pourquoi ça fonctionne. C'est une vidéo qui vise les guitaristes qui ont déjà pas mal d'expérience en jazz. Donc voilà, je détaille pas chaque accord, hein, ce que c'est. Ça, c'est un Sol 7 altéré. Do majeur. Voilà. Le Ré bémol, on peut faire ça, par exemple. Bémol, la diaison. Voilà. Do majeur. Donc là, c'est Sol 7, Do majeur. Sol 7, Do majeur. Pour le Fa, on peut faire ça, par exemple. Sol 7 et Do majeur. Voilà. Et ben, je vais faire une petite impro sur un accompagnement swing avec basse batterie uniquement. Je vais faire entendre Do majeur et je vais passer par ces accords de passage en essayant de rendre ça le plus beau possible, le plus mélodique possible, le plus harmonieux possible. Et ça, c'est ce que vous devez faire pendant des heures en fait. Trouver d'abord des positions de Do, puis des positions de Sol et voir quels sont les enchaînements qui marchent bien. Voilà, c'est juste un petit exemple. Je pourrais faire ça pendant des heures et j'aime bien faire ça pendant des heures parce que c'est bien sympa à découvrir des sonorités comme ça. Et maintenant, je vais faire la même chose, mais sur un accord mineur. On va prendre La bémol mineur 7, par exemple. Et voilà, on va passer sur son degré 5, donc Mi bémol, qu'on peut jouer altéré, qu'on peut jouer... On va partir sur le mode altéré, c'est déjà pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous motivera à passer du temps à trouver tous ces accords. Sachez que c'est énormément de temps passé à comprendre les accords, à les construire.
à les analyser, hein, si vous les voyez jouer par d'autres guitaristes, et à faire le lien entre leur nom, leur position, et puis comment ils sonnent. Parce qu'au final, il faut arriver justement à enchaîner les positions qui sonnent avec les positions qui sonnent. Enfin, mémoriser les enchaînements qui sont bien, et c'est ça la finalité en fait, hein, faire en sorte que tout ce qu'on joue, ça sonne tout le temps bien. Et sur YouTube, vous trouverez les playbacks sur lesquels vous pourrez vous entraîner à improviser, donc les deux playbacks sur lesquels j'improvise, donc c'est en Do majeur et en La bémol mineur, mais il y en a plein d'autres, hein, avec juste basse batterie, avec un tempo swing à 140.